Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Aujourd'hui, on termine avec les vérités qu'il faut retenir quand on est tenté de faire plaisir aux gens, en considérant les deux derniers points. Je voudrais vous rappeler de repasser sur ces six points dans leur ensemble pour que vous ayez une vue d'ensemble. Vérité numéro 5. Un jour, tu rendras compte de ta vie. Bien-aimé, Romains 14, verset 12, nous donne l'antidote qui plaît au peuple. Chacun de nous devra répondre à Dieu ou rendre compte de lui-même à Dieu. King James Version. Lorsque vous laissez cette vérité pénétrer en vous, cela changera qui vous essayez d'impressionner. Bien-aimé, un jour vous allez rendre compte de chaque mot que vous avez prononcé. De nos jours, vous pouvez choisir d'être politiquement correct ou socialement acceptable. Mais un jour, vous rendrez compte de ce que vous dites pour satisfaire les autres. Chaque fois que vous faites face à des moments comme celui-ci, rappelez-vous ce qui suit. Premièrement, ce que Jésus a fait pour vous sur la croix. Il ne vous a pas renié. Deuxièmement, vous devrez répondre à Dieu. Et troisièmement, souvenez-vous des paroles de Jésus. Celui qui a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui. Vérité numéro 6. Dieu vous a formé pour être vous, pas quelqu'un d'autre. Bien-aimé, Dieu ne veut pas que vous soyez quelqu'un que vous n'êtes pas. Mais quand vous arrivez au ciel, Dieu ne vous demandera pas « Pourquoi n'étais-tu pas comme ton père ? Pourquoi n'étais-tu pas plus comme ton frère ?» Au lieu de cela, Dieu demandera « Est-ce que tu es devenu la personne pour laquelle je t'ai créé ?» J'aime la traduction de Philippe dans Romains 12, verset 2. « Ne laissez pas le monde qui vous entoure vous presser dans son moule, mais laissez Dieu refaçonner votre esprit de l'intérieur afin que vous puissiez prouver en pratique que le plan de Dieu pour vous est bon. » Répondez à toutes ces exigences, tout en vous dirigeant vers le but de la vraie maturité. Nous devons nous rappeler que le plan de Dieu pour nous est bon. Il ne nous a pas mis sur terre pour accomplir le plan de quelqu'un d'autre. Bien-aimés, rappelez-vous toujours qu'il n'y a qu'une seule personne dans toute votre existence que vous devez plaire. Vous n'avez pas à plaire à votre église, à vos voisins ou à votre famille. Bien-aimés, laissez cette vérité vous libérer pour être la personne que Dieu a créée pour être ici-bas. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. À demain. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.